Nous avons pris la bonne décision, Pénélope. Oui, même si Ulysse. Ça a été un petit peu difficile au début, hein? Oui, je sais bien, Ulysse. C'est mieux de se séparer à l'amiable, surtout aujourd'hui. Bien entendu, je te laisse la maison où nous avons vécu si heureux toutes ces années. C'est vraiment gentil de ta part. Je suis très attachée à cette maison. As-tu trouvé un appartement? Oui, j'ai signé ce matin un studio. Je suis assez content. Tu pourras venir me voir si tu veux un jour. En tout cas, c'est toi qui vas garder la voiture. C'est bien normal. Comme c'est bien que ça se passe comme ça entre nous maintenant, à l'amiable. C'est super, non? Bien entendu, Télémaque reste à la maison. Comment ça? Tu vas garder Télémaque? Eh bien oui, Télémaque a grandi dans cette maison. Mais qu'est-ce qu'il va faire sans moi? Il ne peut pas vivre. C'est moi qui l'ai soigné quand il était petit. Il ne s'habituera jamais ailleurs. Qui a fait le tour de la ville, hein, quand il a fait sa première fugue? C'est moi. Ah, tu penses? Tu sais bien, Ulysse, que je ne peux pas vivre sans notre bébé. Moi non plus. Je ne veux pas en parler davantage. Télémaque restera à la maison. On en reparlera devant le juge. Comme tu voudras. Télémaque. Allô, maître Bernard? Oui, c'est moi. Je vous appelle pour votre affaire. Non, mais ça se passait bien plutôt, oui, au départ. On était d'accord, hein, là. Accepter la maison, évidemment, ça m'aurait étonné qu'elle n'accepte pas. Mais là où ça achoppe, c'est sur Télémaque. Elle veut la garde de Télémaque. Comment ça, c'est normal qu'elle veuille la... Mais moi, j'ai accepté le studio, hein? J'ai tout accepté, c'est pour avoir la garde de Télémaque. Vous allez quand même vous battre pour ça, non? Vous allez me défendre. Comment ça, j'habite dans un studio? Mais j'ai quand même droit à la garde alternée. Non, mais je vous paye pour quoi, moi? Il est impossible. Vous comprenez? Télémaque doit vivre chez moi. Je vous rappelle. Aïe, il m'a mordu. Télémaque, mon chéri. Il m'a mordu aussi. Oh, Télémaque. Il m'a mordu plus profondément que toi. C'est sûr qu'il me préfère. Oh, je crois surtout qu'on l'a contrarié. Tu as raison. Il est si sensible, notre bébé.